petit mot sur la rencontre, ça va être assez bref. Je suis extrêmement déçu. Élimination en 16e de finale à domicile, c'est inadmissible, indigne et très dommageable. Voilà, donc énorme déception par rapport à cette élimination. On a déjà recruté. On a fait une bonne prestation en Champions League la semaine passée. Aujourd'hui, on a eu une attitude sur nos corners en laissant l'adversaire contre-attaquer trois fois sur des corners offensifs, trois contre-attaques. Et trois fois, on s'est fait surprendre de manière assez incroyable. En l'espace d'une semaine, on ne va pas passer d'un extrême à un autre. Par contre, le constat est là. Aujourd'hui, après un tel match et après surtout un tel résultat, on ne peut qu'accepter les critiques, faire le don rond, ne rien dire et travailler pour corriger ce qui n'a pas été aujourd'hui, tout simplement. Mais c'est quoi ? Donc à chaque fois qu'on va prendre un but, vous allez me parler du problème de défense, alors qu'il n'y avait pas de problème de défense, comme j'ai expliqué la semaine passée. Aujourd'hui, on a subi trois contre-attaques, beaucoup de contre-attaques sur des coups de pied arrêtés offensifs pour nous. Donc c'est forcément dommageable. Maintenant, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, on fera notre propre critique par rapport à ce qui n'a pas été sur ce match-là. Mais ça remet bien évidemment en question le 11 de départ, ça remet en question le fait que sortir dès le premier tour en Coupe du Trône, c'est pas concevable en ce qui me concerne, donc forcément c'est pas... Il y aura des réflexions par rapport à ça. Bah oui, forcément, si je ne regrette pas, ça veut dire que j'accepte la défaite, j'accepte pas du tout la défaite. Après, est-ce qu'il fallait jouer avec un 6 ? Bon, c'est l'histoire du match. Hein. Après, c'est vrai qu'on peut dire, beaucoup de choses. La première question, c'était quoi, pardon ? La première question, c'était concernant l'attitude des joueurs. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de facilité ? J'ai senti très sincèrement qu'on a fait vraiment une très bonne entame de match. On a maîtrisé, on a eu beaucoup d'occasions. Et jusqu'à ce qu'on ouvre le score, on a senti qu'on était très concentré. Et le fait d'ouvrir le score, c'est comme si on avait eu l'impression qu'on avait fait le plus dur. Et pour moi, le reste du match, on n'a jamais été très bon ensuite. On a été un peu dans la réaction qu'on a été mené. Mais un match de coupe, c'est comme ça. C'est tant que l'adversaire est en vie, ce qui était le cas à la mi-temps, on a bien senti qu'on s'était complètement déconcentré, qu'on n'arrivait plus collectivement, individuellement, on n'était plus du tout dans le match. Et malgré les changements, on n'a pas réussi à revenir dedans et allez, on prend l'engagement.